Tu prends le fauteuil, tu le mets juste là. Arrête. Sérieux ou quoi? Non, mais tu veux pas bouger? T'es sûr? Qu'est-ce qu'il y a? Demandez de bouger, tu dégages. Jette-le. Vas-y. Laissez-le les gars, laissez-le. T'as chaud? T'es sûr de toi? T'as chaud? Mais tiens, regarde. Ah, il avait chaud, du coup, ben, je l'ai refroidi. Arrête de filmer là, si je te casse la caméra. Arrête! Ok, mon collègue, il a sauté. Ok, c'était pas à faire, t'as vu que j'avais honte. Mais c'est pas une raison pour qu'il fracasse le tour de mon collègue. Attends, il est fatigué, hein. Il est fatigué. Il est fatigué, il veut dormir. Mais tiens, il va dormir. Donc voilà les gars, message très 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 important avant que la vidéo démarre, je voulais vous dire quelque chose de super important. Donc il y aura énormément de changements sur la chaîne. Donc les gars, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus une vidéo toutes les semaines, mais une vidéo tous les 15 jours. Donc la prochaine vidéo, du coup, ça sera le 15, si je me trompe pas. Donc là, on est le 1er août, vous regardez actuellement cette vidéo. Donc ça sera le 15 août, la prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Donc pourquoi? Je vous explique tout simplement, c'est que je développe d'autres projets à côté. Donc ça y est, je ne fais pas que YouTube. Enfin, je donne des cours particuliers, j'ai des contrats un peu à droite à gauche, etc. et tout, et là je développe un projet qui je pense va vous intéresser énormément, donc ça sera dévoilé dans les mois à venir. Donc pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram qui est juste ici là, mon Instagram. En tout cas, les vidéos ne vont pas changer, ce sera toujours le même contenu. Il y aura des acrobaties, des caméras cachées, expérience sociale, il y aura même de nouveaux concepts. Franchement, vous allez vraiment pas être prêts, il y aura de nouveaux concepts, etc. et tout. Donc maintenant vous êtes au courant. Donc prochaine vidéo le 15 août, très très important, notez ça sur votre agenda. Activer la cloche de notification, très important. Il y a du très très lourd qui va arriver sur YouTube, sur Instagram, etc. Et le projet que je suis en train de développer, c'est une dinguerie, vous allez péter les plombs. Sur ce, je vous dis à de suite pour la vidéo, let's go. Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une toute nouvelle vidéo, la deuxième partie avec un handicapé. Agresser un handicapé, cette fois-ci une partie vraiment hardcore, parce qu'on va le jeter par-dessus bord. C'est-à-dire on va le jeter par-dessus un pont, en dessous il y aura de l'eau. Donc je suis avec mes complices, monsieur Giovanni Magique, toujours présent, Mister Fracri, avec le carton, donc vous l'aurez deviné, dedans il y a des fausses bouteilles en verre. Donc voilà, bien évidemment c'est de la résine, c'est des fausses bouteilles qu'on peut casser sur la tête avec des fausses plaques en fer également. Avec Mister Rico, ça y est les gars, vous l'avez reconnu dans la dernière vidéo, vous avez dit que c'était le membre de l'équipe, vous avez bien deviné, voilà c'est le complice. Et avec Mister Mathieu aussi, et l'abonné voilà, qui malheureusement a fini en chaise roulante, donc je suis vraiment désolé pour toi frérot. Bien évidemment c'est aussi un complice, voilà il est pas, voilà tu peux te lever. Donc les gars, vraiment, le but de cette vidéo, c'est voir est-ce que les gens vont réagir face à une agression envers une personne à mobilité réduite. Donc en l'occurrence, un handicapé. Donc on va voir ça. La première partie, il n'y avait pas eu trop de réactions. Je l'avais tourné à Paris. Donc là, on est à Lille-sur-Sorgue. On va carrément le jeter à la Sorgue. On va lui casser les bouteilles sur la tête. Donc les gars, 10 000 likes et je refais une partie encore plus hardcore. Et sur ce, on part direction Lille-sur-Sorgue. N'oubliez pas le petit partage, le petit like fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à de suite. Let's go. Donc les amis, avant de démarrer la vidéo, voilà, c'est rare que je fais de la pub à des personnes, mais aujourd'hui j'ai essayé de faire la pub à mon poteau Bilal, donc voilà, il est tout le temps au tournage. Donc les gars, il fait des vidéos prank, il fait des vidéos expérience sociale, caméra cachée sur sa chaîne. L'objectif, combien d'abonnés? 2000. Là, combien? 2000 abonnés. Là, on a passé les 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube, là aujourd'hui c'est 2000 abonnés, vraiment, je compte vraiment sur vous que sa chaîne YouTube sera juste là, regardez ici avec son Instagram et en description. Toutes les personnes qui iront s'abonner. Petite pub Instagram. Non, voilà, il a 4000 abonnés sur Instagram. Chaque personne qui iront s'abonner à sa chaîne YouTube, une pub sur Instagram. Et puis moi, je vous en serai reconnaissant. Et sur ce, à de suite. Let's go. Les amis, en direct. Donc là, on est à Lille-sur-Sorgue. Donc au programme, les gars, petit salto. Donc franchement, ça va être grave sympa. Là, j'ai repéré un petit spot. Tu vas filmer. Je vais faire quelques saltos à la fontaine. Parfait. Impeccable. Ça s'appelle un wall flip. Je vais le refaire une seconde fois. Ça au moins. Ouais, c'est nickel. Sur la fontaine, là, comme ça, ouais. Quand t'as la jambe en haut, parce qu'on a une fontaine qui est similaire aussi à le petit village que t'avais fait là à côté du Gros du Roi, était vachement sympa aussi. Donc là, on a une fontaine qui est pas mal. Allez, comme ça. Mais je pars d'ici. Et il faudrait que. Comment est-ce qu'on est posé, grave.
pouvez vous décaler un tout petit peu, en fait, mais c'est non. pour faire un... Je vois pas qu'il est venu proposer, là. Mais vous vous décalez juste ici, vous mettez ici, vous prenez écoutez, regard. Non, moi, le monsieur, regardez, vous mettez juste là. Regardez, il y a du sommeil, moi je reste ici. Regardez, il y a du sommeil. Mais alors regarde, on est en ombre ici. C'est... Ah, vous... lunettes, les lunettes, c'est bon, ah, vous respectez pas. Vous mettez, vous mettez juste là. Pas, bougez alors, pas, non. Mais vous mettez, il y a un banc juste non. Là. Non. Cécile, t'as demandé de te pousser 2 minutes, tu pousses pas. La prochaine fois, tu fermes ta gueule, t'as compris? Voilà. Non, monsieur, c'est une caméra cachée. J'ai une bonne réaction. Ah non, mais plus rien nous surprend. Ah, c'était bien fait avec la bouteille. C'est une caméra cachée, vous écoutez merci, pas. C'est bien foutu. Ah ouais, c'est vraiment ça prouve qu'il n'y a pas tant de gens qui bougent. C'est ça. Pour donner un coup de main. Vous avez été quand même la seule personne qui a réagi. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Merci. À mon avis, ici, ça peut le faire. Regarde, si je pars de là et que je... Mais il faudrait que le verre, tu le mettes... Tu sais quoi? En fait, l'idée, ça serait que tu me fasses pareil. Ouais. Mais à la rigueur, sans l'aide de la pierre et au milieu du pont. Là, je pense que ça serait vachement sympa. Au milieu du pont? Ouais. Si je le fais ici, ouais, ça peut... Toi, tu voulais qu'elle soit où, la plaque? L'idée, ça aurait été à peu près qu'elle soit à cette hauteur-là, environ. Ouais. Tu vois? Mets la plaque, mets-la juste pour à voir. Peu près à cette hauteur-là, attention, Fakri. Et il faut que je tue. À la rigueur, il faudrait que t'envoies le pied. Soit en fait tu le fais de devant, soit de derrière. Là, le truc où tu arrives le mieux à envoyer le pied en l'air. Tu vois. Excusez-moi, vous pouvez partir s'il vous plaît. Il y en a pour 2 minutes. 2 minutes. Ouais. 2 minutes, hein, ça va. Deux petites minutes. On peut rester, on est allé. 2 minutes, s'il vous plaît, on est juste en train de faire un effet de vidéo. Je vais le faire comme ça. Ouais. Je vais courir. Il va lever la plaque et... Ouais mais attends, il ne veut pas s'enlever, là, le problème c'est ça. Regarde, on a les gens qui jouent là-dessus derrière. Vois, regarde, monsieur, ça sert à rien de le prendre comme ça. On n'a pas été mal pris avec vous, restez poignés. Regarde, les gens, ils jouent le jeu derrière, ils attendent. Là, bon, pour l'instant, on n'a personne. Il n'y a que lui qui nous fait chier en plein milieu, quoi. De toute façon, la solution, elle est simple, c'est soit vous bougez, soit on vous fait bouger. On n'a pas forcément envie de bouger, mais c'est une solution. Touche pas. Et tu le mets juste là, t'as arrête. Allez, sérieux quoi. Juste là. Non, allez, c'est bon, juste là. Non, mais tu veux pas bouger. T'es sûr? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé de bouger, tu dégages. Wow. Laissez-le, les gars. T'as demandé de bouger depuis 2 heures, je suppose, c'est tout. Suis-moi. Ça t'apprendra. Voilà. Tu arrêtes ton cinéma. Tu veux pas bouger, on est déconné. Faux. T'arrives le mec. On t'a demandé de bouger. Monsieur, c'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée, vous avez dit. Alors ça me rafraîchit un peu. Merci à tout le monde. Alors Mathieu, ça va hein, tranquille. Allez, bon, petite question, quelle a été votre première réaction quand vous avez vu la scène? C'était pas sympa. Ouais. Là, qu'il se passait un coup dur, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez dit que c'était une mise en scène ou quelque chose comme ça ou pas du tout? C'était vraiment réaliste. Ouais. Bah c'était vraiment une mise en scène pour... Il y a vraiment des agressions avec des handicapés en fait en France. On a essayé de reproduire une scène pareille avec des fausses bouteilles en verre, voir si les gens allaient réagir. Et il y a eu des... Puisqu'il y en a qui sont arrivés, j'ai dit... C'est ça. Assez mal, ouais. Il y a un monsieur qui a voulu... Tout à l'heure, on a fait la même chose. Un monsieur a sauté à l'eau, carrément, pour aller à la rescousse du jeune. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup. C'est sympa. Bien mixé. Merci. Your weapons are
fasse ça avec une personne normale. Il fait de la magie lui aussi. Il peut faire un tour de magie. Vas-y, allez. Fais un petit tour de magie au monsieur. Non, non, non. Tu peux nous faire à nous ? Si, si, vas-y, un petit tour de magie. Je veux pas de magie. Un petit tour de magie. Oh ! Je veux pas de magie. Il est fatigué, c'est bon. Ok, mon collègue il a sauté. Ok, c'était pas à faire, t'as vu, j'avais honte. Mais c'est pas une raison pour qu'il fracasse autour de mon collègue. Non, 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 attends. Il est fatigué. Il est fatigué. Il veut dormir. Tiens, il va dormir. Il est fatigué. Il veut dormir. Tiens, il va dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ça va ? C'est un malade. T'es taré toi ? T'es un fou ? Ouais. Mais tu veux pas l'agresser comme ça ? Vous le connaissez ? Non, ouais, il nous a suivi tout à l'heure. Bah vous le connaissez pas ? Non, non. Vas-y, on va faire lui. T'es un malade ? C'est... Alors, on le dit ou quoi ? Mesdames, messieurs, c'était une caméra cachée ! C'est une caméra cachée, on le connaît, t'inquiète, on le connaît. Là, c'est comme le cinéma, là. Ne recommencez plus jamais. Plus jamais, promis. À part l'équipe de magie et les acrobaties. Ah oui, c'est le tour de magie. Il joue bien le jeu. Ouais, voilà. Bon, ça fait un petit moment qu'il n'a pas vu la flotte. Et du coup, ça serait cool de pouvoir... Hop. C'est parfait. Merci, les gars. Merci beaucoup, les gars. Merci. Oh, c'est cool, merci. Ouais, c'est cool, merci. Et franchement, j'espère que tu vas te sentir bien. Hein. Ça va, t'es bien, t'es content, là? T'es bon, t'es content? T'es sérieux là? T'es sérieux? Ça fait une heure que tu me fais chier. Attends, ça fait une heure que tu me fais chier pour faire le tour de l'île sur Sorgue. Attends, Farid. Et maintenant qu'on est là, qu'on a galéré pour faire descendre, tu veux repartir? Non mais attends, t'es sérieux donc tu n'es pas là? J'ai chaud là. T'as chaud? T'es sûr de toi? T'as chaud? Oui. Tiens, regarde. Voilà. Ah, il avait chaud, du coup, ben, je l'ai refroidi. Mais hein. Tu es fou quoi toi? Bah non, mais il a chaud, je l'ai refroidi. Par contre, tu fais gaffe, t'as ton béret qui se barre. Hein. Bah, il a chaud, du coup, je l'ai refroidi, c'est tout, c'est comme ça. Ça fait une heure qu'il me fait chier. Il me dit, ouais, viens, on fait le tour de l'île sur Sorgue, on fait le tour. Là, je me fais chier à le faire descendre avec des mecs. Et une fois que j'arrive au bord de l'eau, il me dit, non, je veux repartir. Eh ben, tu veux repartir, tu repars par l'eau. Sans déconner, quoi. Là, ça fait 10 ans qu'on se connaît, tu me fais chier depuis 6 mois, quoi. Tu sais, c'est pas parce que t'as eu un problème à la jambe que ça y est, ça te donne le droit d'être tout permis. Hein. Tiens, vas-y, tu repars. Ça t'apprendra. Attends. Eh, c'est quoi, remets-le une troisième fois, moi j'ai un dicton, c'est jamais 203. Ça va pas ou quoi? Arrête de filmer là si je te casse la caméra. Arrête. Il est gelé, il te dit qu'il est pas bien. Viens, je te lève le t-shirt. Oh, mon lieu là, tremble comme une feuille. Mais arrête toi, arrête. Ah, c'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Bravo à tous. Alors, c'est crédible ou pas? Il y a que moi, c'est la seule qui m'a aidé. Ouais, il y a que vous et le monsieur qui a réagi. Alors déjà, je le vois et tout. Alors sur le coup, j'ai pas vu qu'il le. J'ai dit, mais pourquoi il le jette et tout? Ça fait des mois que tu me fais chier. J'ai dit, mais attends, c'est pas froid ou quoi? Non, toi. Bah allez, ça va, terminé. Merci à vous, c'est gentil. Bouge pas, décale à droite. Voilà, protège tes couilles. Je fais le même que je faisais l'autre fois. Exactement le même. Ouais, allez. Mais c'est nickel parce que le but c'est pas de récupérer la fois du code. Attends, je vais les enlever. Je vais le refaire. Attends, je vais le refaire, vas-y, mets-toi. Il y a sa carte. Arrête parce que la chaleur monte à la tête. Tu prends, tu vas en face, c'est tout. C'est pas normal. Bon, filme le bilan. Ouais, ça fait. Je fais une figure, 2 secondes. Ouais, bah ça c'est nickel, c'est impeccable. Mais oui, mais. Gatrojo, vous voyez pas Gatrojo? Mais alors? C'est un truc de fou. Mais je m'en fous. Mais c'est un manque de respect, ça. C'est un manque de respect total. Mais c'est. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est. Ça va? Tu vas bien? Excuse-moi. Ouais, je m'en fous plus. Tu vas bien? Attends, t'as l'escalier là, regarde. Tu vas aller dans le coin. J'ai arrêté. Vas-y, essaie de t'avancer un peu, avance-toi un peu. Oh putain.
Alors en fait, je vais vous expliquer, on est des acteurs et c'était une caméra cachée. C'est ça. Voilà, alors en fait, il n'est pas handicapé, on n'est pas des agresseurs. Ah mais j'ai pas dit qu'il était voilà. Handicapé. Après la jeunesse, c'est c'était faire des une trucs caméra de... cachée, monsieur. On est tous acteurs en fait. Moi, ouais. Je suis infirmière. J'ai couru depuis là-bas pour dire si il est à réanimer, je suis sur le pont d'un bas. Les gens. De quoi? Ils savent pas rigoler, les gens. Sérieux, tu joues avec la vie des gens? Mais si c'est une caméra cachée, rigoler, c'est bon. Ah là, c'est pas rigolo, non? Non, non, faut grandir, ma fille. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé le concept pour une troisième partie avec un handicapé, avec grand plaisir, donc vraiment ce tournage il a été risqué de ouf. Franchement, on n'a jamais pris autant de risques pour une vidéo, donc les 10 000 pouces bleus on les mérite. Les gars, vraiment les 10 000 pouces bleus. Les gens sont été choqués, les gens sont été choqués. Vraiment. Là c'est vraiment quelque chose, déjà frapper un handicapé avec une bouteille c'est un truc de fou, mais le prendre, le jeter, ça c'est exceptionnel. Donc les gars, vraiment 10 000 pouces bleus, et avec plaisir une troisième partie. Je remercie Bilal et toute l'équipe, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace. Donc les gars, petite préparation. Et Rico, tu le portes bien comme ça et tu l'amènes. Vas-y. Allez les gars. 1, 2, 3, vas-y. 1, 2, 3, vas-y. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Les amis, franchement, j'ai eu la peur de ma vie, donc je suis tombé, là, regardez, ça glisse de partout. Mais j'ai pris un risque et ça a bien marché. Donc, franchement, la vidéo elle va être géniale.